Les Reporters sans frontières est en République démocratique du Congo. Son représentant a rencontré les autorités congolaises au sujet de la détention de notre confrère Stanis Boujakera. Le correspondant de Jeune Afrique avait été arrêté le 8 septembre pour un article publié dans JA qu'il n'a pas signé. Un article qui mettait en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okendé. La justice a rejeté 4 demandes de liberté provisoire et son procès s'est ouvert le 13 octobre. RSF parle de détention arbitraire et demande l'abandon des charges qui pèsent contre lui. Écoutez. La détention de Stanis Boujakera est arbitraire. Nous sommes dans un contexte préélectoral où c'est pas, je dirais même que c'est assez anachronique de détenir, d'avoir des journalistes en prison alors que le pays entame un processus électoral crucial pour la vie de la nation. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est évidemment l'abandon des charges, mais dans un premier temps, qu'il puisse recouvrer la liberté. Il n'aurait jamais dû être arrêté, il aurait encore moins dû être incarcéré.